Alors, depuis... Si tu es assez centré. Oui, c'est bon. Je vais comme tourner. OK. Journée typique pour moi, ça commence tôt le matin. Il y a toujours beaucoup de travail à faire. Ça n'arrête jamais vraiment durant la journée. Je travaille dans toutes sortes de conditions, à l'extérieur, à l'intérieur, et avec toutes sortes de gens, des gérants d'autres compagnies et des personnes sous moi. Alors pour moi, ça consiste un peu de travail physique et de travail à organiser des affaires. Alors ça rend la journée assez pleine. Pour mon salaire, j'essaie toujours d'améliorer le montant de travail que je peux faire dans une journée. Et avec ça, mon salaire devrait augmenter. Et c'est comme ça, comme but que j'ai, d'améliorer mon travail et de faire plus d'argent. Dans mon métier, à cause que je suis propriétaire de ma propre compagnie, j'ai des avantages à cause je peux changer les heures que je travaille si j'ai besoin d'aller faire quelque chose d'autre sur un autre site de construction. J'ai l'avantage que je peux faire ça et retourner à un autre site. Alors ça c'est un avantage. Parfait. Bien, pour mon métier spécifique comme un charpentier, il y a toujours des risques qu'on prend chaque jour. Alors, on travaille avec des outils qui peuvent couper, tu sais. On travaille à certaines hauteurs, ça peut être dangereux. Mais à la fin de la journée, c'est à chaque individuel de faire certain qu'il fait son travail dans une façon qui ne va pas se faire mal. Moi, j'ai choisi mon métier à cause que j'ai toujours aimé travailler au plein air et être dehors, travailler avec mes mains, être physique, être actif. Puis, il y a toujours quelque chose à chaque jour qui me surprend. Il y a un problème avec ça ici ou quelque chose d'autre. Puis, c'est en trouvant des réponses aux questions qui arrivent à chaque jour que... T'sais, je prends de la fierté dans mon travail à cause il y a toujours quelque chose à la fin de la journée que tu peux regarder à, puis tu vois, oh ben j'ai bâti ça aujourd'hui. C'est très valorisant. J'aime mon métier à cause j'ai l'opportunité de travailler avec toutes sortes de gens. Chaque projet est différent et il y a toujours quelque chose de différent dans l'entourage qui amène avec chaque projet. Quand j'étais au secondaire, j'étais déjà en train de travailler dans la construction durant mes étés. Et j'ai aussi j'ai pris des cours au Arts and Tech. Et ça a beaucoup aidé à cause que j'ai pu travailler 4 jours par semaine et aller à l'école durant les lundis. J'ai appris à propos de toutes sortes de maîtrises. Ça m'a donné l'option de chercher la maîtrise qui me va le mieux.